Shalom à vous tous qui nous suivez aujourd'hui. Parlons un peu de la Noël, qui est une fête de plus en plus célébrée dans nos églises et dans nos cités. La ville se transforme en rouge. On voit un bonhomme vêtu de rouge et de blanc, un vieux. On voit la crèche de l'enfant Jésus. Les enfants font de quelques airs le soir, le matin, se promènent avec des rameaux. Noël. Je ne veux pas ici rentrer sur la théologie de Noël, ou si la date est-elle exacte ou non, si vraiment Christ était né en ce jour, ou c'est devenu une fête commerciale. Mais je voudrais beaucoup plus parler d'une chose importante. En ce jour comme Noël, ce n'est pas le jour où on doit penser à un enfant Jésus. C'est le jour où on doit penser à Jésus tout court. Christ dans votre cœur n'a pas une taille d'un petit bébé. Christ dans votre cœur, ce n'est pas un petit garçon que vous allez mettre dans votre cœur. Christ dans votre cœur, ce n'est pas un petit, on dira, oh le doux petit Jésus, il va entrer dans mon cœur. Non, le jour comme celui-ci, c'est le jour de la visitation de l'humanité. En ce jour-là, même qu'en forme de petit enfant, Dieu est venu en chair au milieu des hommes. Est-ce le 25 décembre? Ce n'est pas là le problème. Le problème, le fait est que Dieu a tellement désiré sauver l'humanité qu'il se donnait la peine de se faire humain, de porter la chair et de venir. Et ce jour de la naissance est très important parce que c'est le jour où Dieu a dit « je le fais pour sauver les hommes, je le fais pour changer leur vie ». Alors en ce jour particulier, ce n'est pas Christ qui doit naître dans votre cœur, non. En ce jour, le meilleur message serait plutôt vous naître en lui. C'est le jour où vous pouvez naître en Christ. Vous pouvez devenir enfant de Dieu. Non selon la chair, ni selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Alors en ce jour, nous souhaitons les vœux de bonheur. J'aimerais vous dire que Dieu a les vœux le plus parfait. Il ne dit pas « je te souhaite le bonheur ». Lorsqu'on souhaite, on s'imagine que ça va se faire. Par qui? Par quelle force? Qui le fera? Dieu n'a pas besoin de faire de souhaits, de vœux comme nous tous. Dieu, lorsqu'il parle, il parle de ce qu'il va faire lui-même. Et en ce jour comme celui-ci, Dieu vous dit le plan qu'il a fait pour vous. Il désire que vous puissiez suivre un plan de bonheur et non celui de malheur. Je vous assure que les raisons pour lesquelles Christ est né, ces raisons-là sont plus de fêtes que la Noël en soi-même. Jésus est né pour une plus grande fête. La fête qui se passe au ciel lorsque vous naissez en Christ. Jésus est né pour une plus grande fête, où ce n'est pas décoré en rouge, c'est décoré en marbre, avec de l'or, des diamants. C'est pour la cité nouvelle. Jésus est né pour que vous naissiez en lui. Jésus est né pour commencer une histoire qu'il va finir avec vous. Que dis-je? Une histoire qui ne finira jamais. Alors en ce jour de Noël, nous vous souhaitons les vœux et nous vous rappelons l'essentiel. Christ est réellement venu sur la terre et ses efforts n'étaient pas ceux d'un petit bébé qui voulait qu'on puisse bien le regarder. Mais Dieu s'est donné la peine de porter la chair en vous visant vous. Quelle est votre réponse à ça? Alors quand vous verrez Noël, dites-vous, je dois répondre. Comment répondre à Noël? Avec un cadeau? Non, le cadeau vous est déjà donné. Dieu a déjà fait le don le plus précieux. Comment répondre à Noël? Ouvrez votre cœur au don de Dieu. C'était Atom Smouma. Que Dieu vous bénisse.